Deux ambulances équipées d'oxygène, de civières et de matériel de réanimation, c'est le don conjoint du président Alassane Ouattara et du maire Sami Méry aux populations de la Kota. Ces ambulances, selon le premier magistrat de la commune, vont permettre l'évacuation rapide des malades, blessés graves et femmes en couche vers les établissements sanitaires les plus équipés, ce qui n'est pas possible auparavant, d'où la joie des populations. Les deux ambulances qui sont arrivées, nous disons merci aussi au président de la République parce que vraiment, c'est un président qui travaille. Les mots me manquent pour tout ce que notre maire et le président de la République font pour la Kota. En leur remettant les clés de ces véhicules médicalisés, le préfet et le maire de la Kota ont exhorté le corps médical au bon usage. Je suis porteur donc des deux clés. Je voudrais vous les remettre. Quand on a des ambulances, c'est vraiment aussi une sécurité. Et quand on a des bouteilles d'oxygène, c'est encore une autre sécurité. Et tout ça, c'est pour le bien-être de notre population. Ce don d'une ambulance du chef de l'État, explique le maire de la Kota, est la réponse à sa doléance à l'endroit du président Alassane Ouattara le 8 août dernier. C'était au cours d'une audience où les deux hommes ont discuté de projets de développement pour le département de la Kota, bitumage de voies, pont de Dayerogoli, adduction d'eau potable, construction et réhabilitation de centres de santé, des travaux pour un investissement global de 3 milliards de francs CFA qui ont déjà démarré par la réhabilitation de l'hôpital général de la Kota.